Alors, nous voici pour la troisième partie de notre tuto album. Donc, on reprend une base de 21 sur 16, deux papiers de 21 sur 8, deux papiers de 10 et demi sur 16 et un papier de 21 sur 10. Donc, deux papiers, pardon, de 21 sur 10. Donc, sur les deux papiers de 21 sur 10, on va faire un pli à 8 cm. Et on va venir coller tout ça sur notre base de cartes. De page du coup. Ensuite, sur le papier de 21 sur 8, on va plier à 10 et demi, donc à la moitié. Et sur le papier de 10 et demi sur 16, on plie à 8, de la moitié également. Alors là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient coller les papiers sur nos rabats. Et il faut donc que les ouvertures soient à l'extérieur à chaque fois. Donc là, c'est vrai que ça va un petit peu vite. Et en fait, donc là, on vient mettre nos aimants. Donc je vous remontrerai sur la présentation d'album. En fait, c'est pour une technique pour pouvoir fermer la page et du coup, ça fait des volets supplémentaires. Donc bien placer toutes les ouvertures à l'extérieur des pages. Donc là, on vient placer notre papier de déco sur les quatre papiers. Donc là, c'est la partie quand ça va être ouvert. Et après, vous allez rabattre pour la partie fermée. Donc là, j'ai utilisé des cartes de la collection Paradise, qui vont du coup pile poil au niveau des dimensions des rectangles. Donc là, je vous montre au ralenti ce que ça donne. Donc il y aura aussi du coup ces endroits-là où pour l'instant je n'ai pas mis de papier pour la vidéo, où il faudra donc mettre un papier supplémentaire. Voilà, donc là, la page est du coup ouverte. Voilà, la troisième partie est maintenant terminée. On se retrouve pour la quatrième. Bisous!